Bonjour Éric Bardot. Bonjour David. Vous êtes directeur de Mimétis, c'est un institut qui développe notamment l'approche HTSMA, ça veut dire hypnose, thérapie stratégique et mouvement alternatif. Ça s'adresse donc aux thérapeutes qui se forment à quoi quand ils se forment à l'HTSMA? Donc ils se forment à une pratique thérapeutique où la relation est au centre. C'est-à-dire, on pourrait dire que le patient, c'est la relation. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de dire que les problèmes ne sont pas que à l'intérieur. Voilà. Ils existent au travers des relations. Des relations, oui, que les gens entretiennent avec leur environnement, avec les autres êtres humains et avec leur représentation. J'ai été victime de maltraitance, voilà, de violence. J'ai donc été en lien avec un environnement, avec d'autres personnes. Voilà. C'est important, ça, d'aborder la dimension relationnelle. D'autant plus important que, de mon point de vue et dans la vision de l'HTSMA, on ne peut modifier que les liens et les relations. Alors, je suis thérapeute, je participe à la formation HTSMA. Mmh. Il se passe quoi au cours d'une séquence de formation? L'objectif de la formation, c'est d'amener les stagiaires dans l'expérientiel. Et pour ça, la base, c'est de mettre un stagiaire en position de patient, un stagiaire en position de thérapeute, et avec un formateur en position de superviseur, c'est-à-dire qu'il va accompagner. On va rejouer une situation problématique. Pour ça, le stagiaire qui est en position de thérapeute, va commencer comme ça. Là, à la fin de ces 40 minutes, le temps d'une séquence qui est comparable à une séquence de thérapie, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il se passe de différent pour que vous puissiez dire à la fin de cette séance que le travail que nous avons fait ensemble va pouvoir vous être utile? Donc immédiatement, on met le patient en position d'être acteur. Donc immédiatement, on met le patient effectivement en position d'être acteur et on va prendre appui sur ses réponses pour choisir le type de questionnement, ajuster le type de questionnement et petit à petit amener à l'extérieur avoir une représentation, une mise en scène de sa problématique que le patient et le thérapeute vont pouvoir partager et sur lequel on va pouvoir travailler et modifier les liens. La formation de base dure 4 fois 3 jours. Oui. On peut se former à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille et même à La Réunion. Oui. En quoi est-ce que l'HTSMA est une approche différente des autres? L'idée dans l'HTSMA, c'est que l'objectif est d'amener le patient à assumer la responsabilité de sa position dans sa vie. Pour ça, on va travailler sur le lien au problème et non pas sur le problème. Oui, c'est ça, on n'est pas dans le pourquoi parce que, on est plutôt dans comment ça fonctionne. Voilà, comment ça fonctionne. Comment on est en relation avec le problème. C'est-à-dire qu'on va mettre en forme le problème de telle sorte qu'il soit à l'extérieur, qu'il puisse être partagé par les deux, pour avoir accès au lien au problème. Des gens peuvent vivre des choses semblables et pourtant, ils vont en garder des effets différents. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de protocole, mais plutôt des modélisations. C'est quoi la différence? Voilà. Alors, la différence entre une modélisation et un protocole, c'est que la modélisation, c'est comme une carte. Comme une carte routière, par exemple. C'est-à-dire qu'il va falloir l'adapter en fonction de ce qui est en train de se passer. Et donc, ça n'est pas un protocole, ça n'est pas figé. C'est ce qui est en train de se passer qui va dire comment on va utiliser. Et quel outil je vais aller chercher. Et quel outil on va aller chercher à quel instant. C'est ça. La spécificité, c'est que les outils vont être utilisés quand le déroulement de ce qui se passe bloque. Si ça ne bloque pas, eh ben on continue dans l'accompagnement. Le troisième point, c'est qu'on est tout autant sur le faire que sur l'être. C'est-à-dire on regarde quoi? Comment le corps réagit à l'expérience? C'est-à-dire, et c'est pour ça que c'est important de mobiliser la présence, hein, dans le temps présent, parce que c'est dans cette présence qu'on va pouvoir mobiliser à la fois l'être et le faire ensemble, et que ça passe par qu'est-ce que je vis de ce que je suis en train de dire dans mon corps. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le faire ensemble, dans l'être ensemble. En définitive, qu'est-ce que les patients y gagnent? Les patients, ils gagnent de redevenir acteurs de leur vie. C'est-à-dire d'assumer la position qu'ils prennent par rapport à la problématique pour laquelle ils viennent. Changer, ne pas changer ou rester dans l'entre-deux. Ils y gagnent aussi
de pouvoir, à travers la thérapie, que ça leur serve un modèle d'apprentissage, qui leur permet d'ailleurs de s'auto-prescrire à la fin de la séance leur propre tâche. Ah oui, ça veut et dire non qu'on pas peut... que la tâche vienne du thérapeute. On peut continuer à faire de l'HTSMA chez soi et piloter tout à fait son propre tout à accompagnement. Fait. Et les patients n'y manquent pas de le faire. Qu'est-ce que les thérapeutes gagnent à être formés à l'HTSMA ? Deux choses importantes. L'ouverture. L'HTSMA, c'est comme, c'est difficile à faire comprendre, mais c'est comme si c'était un modèle qui est interconnecté aux autres pratiques, à la plupart des autres pratiques thérapeutiques. Et donc, il n'y a pas besoin, on peut passer de l'un à l'autre facilement, ça n'est pas en opposition, c'est au contraire en interconnexion. C'est ce qui permet au thérapeute d'utiliser aussi son propre savoir-faire et ses propres outils, qu'il n'a pas besoin de renoncer à ce qu'il a déjà acquis. Au contraire, il va l'enrichir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que qu'est-ce qui, dans la thérapie, menace, comme dans le soin, menace le plus les soignants et les thérapeutes, c'est le syndrome de surmenage, le fameux burn-out. Et en ceci, l'HTSMA, c'est un anti-burnout ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le thérapeute va entrer dans l'espace de coopération, va être centré sur l'expérience corporelle et va être dans le sens de ce qui est vivant et non pas figé ou chaotique, va en retour apprendre à prendre soin de lui et que cette capacité à travers l'utilisation des techniques à prendre soin de lui apprend en miroir au patient à prendre soin de lui, ce qui est OK et ce qui ne l'est pas. Merci Eric Bardot. Merci.